Merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et nous retrouvons donc Dijon contre l'Olympique de Marseille. Un nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tulette aux commentaires. Bonjour Darren. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. J'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Coup d'envoi de ce match. Une très longue passe. Il joue dans l'espace. Il reçoit le ballon. Il est lancé vers le poteau de corner. Bedimo. Oh, Gomis. Cabella. Qui est le premier sur ce ballon? Grand dégagement le plus loin possible. Le ballon sort en touche. La Saladiara. Thauvin. Il peut frapper. Le bon dégagement. Un long ballon vers l'avant. C'est frustrant de voir cette action bien construite ne pas aller au bout. Il centre de loin. Dans l'espace. Et le gardien peut s'en saisir. Ça manque un peu de solution. Dans le dos de la défense. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Ouverture vers le poteau de corner. Pas de souci pour le gardien. Cabella, l'ouverture lumineuse. Joli passe lobée. Le bon dribble. Oh, quelle parade! Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. L'arbitre signale une faute. Balmont. Magnifique parade, le danger est écarté. Il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. Thauvin, qui a un peu d'espace. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, la frappe! Dommage, c'était une belle frappe, un moment idéal pour marquer juste avant la pause. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sous ce... Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. Belle passe lobée. Il cherche un coéquipier. Mais c'est bien fait, mais ça ne suffit pas. Le Dijon FCO profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, dans l'axe, ça n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Ils se rouent à l'attaque.
dans ce début de deuxième période. Ils savent que c'est un moment important. Oh, le gardien est là, la classe. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Premier corner dans cette rencontre. Repiqué dans l'axe peut-être. Et ce ballon sur l'aile, c'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Le ballon sort en touche. Et le ballon continue de lui coller au pied. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Le voilà averti, il n'y a pas grand-chose à redire. Et il a l'air de souffrir, ça inquiète ses coéquipiers visiblement. Et un nouveau coup de pied arrêté, encore un. L'occasion d'ouvrir le score. Quel effet il a donné à sa frappe! Il met la tête! Le ballon traîne toujours, attention! Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une action digne de son talent. Oui, mais il était bien enfermé. Cabella. C'est joué long, attention. C'est bien donné. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Le ballon sort en touche. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Le bon tacle. Bon, c'était engagé, mais pas de faute. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Il était fini, crevé, carbo, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Et la remise en jeu est interceptée. Bonne lecture de la trajectoire. Allez, c'est le moment de faire la décision. Pour trouver la faille dans la défense. Il glisse le ballon en profondeur. Thauvin. Qui est marqué de très très près. On dirait qu'ils essaient de le déstabiliser, de l'énerver pour le faire craquer. Espérant qu'il va savoir garder ses nerfs. Il file au but. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. On est dans les dernières secondes des arrêts de jeu d'Arène. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Une très grande ouverture. Miss. Il ne se pose pas de questions. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Et ce ballon vers ses attaquants. Et c'est le coup de sifflet. Finale dans un stade qui gronde, qui trépigne. Ouais, match nul. 0-0 et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Il a manqué des buts dans cette rencontre. Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'Arène, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut!